Mais danse, monte à ton Dieu, t'es devant ton Dieu, tu danses en ce matin. Alléluia, hé. Ce chant, en gros, ça veut dire, Dieu, il ne détruit pas, il prend. Quelle que soit ta nature, il te prend. Alléluia, hé. Balilé, comme il va voler,
ouvert ton cœur entre les mains de Dieu. Prie le Seigneur avec moi. Et remets ton cœur. Dis à Dieu, normalement ce matin, Seigneur, nous souvenons de rencontrer. Tu as dit, ma maison sera une maison de prière. Tu as dit, Seigneur, ma maison sera une maison de guérison, une maison de consolation, une maison de grâce, une maison de victoire. Ce matin, je veux te rencontrer. Au travers de ta parole, je veux te voir le. Je veux que la parole qui sortira soit pour moi. Prie le Seigneur, parle au Dieu du puissant. Prie. Je veux t'entendre prier ce matin. Il n'est pas du tout le pas au solo gay. Yeah!
plusieurs personnes. Je veux serviteur, je veux vraiment de l'or. Dieu veut entrer en alliance avec plusieurs personnes ce matin. Et ces personnes, ils seront sensibles à ma voix. Ils seront sensibles à ma voix. Donc Dieu veut, donc on priait pour la bénédiction financière. Donc on priait pour le mariage. Donc on priait pour grandir spirituellement. Ce matin, Dieu dit, j'ai entendu vos prières. Avant que je ne prenne la parole, avant que je ne prêche, laisse-moi parler de plusieurs personnes qui voulaient toucher ce matin. Si tu avais des soucis, moi, quand tu vas, lève ta main, quelque chose se passe. Je dis prière, il faut qu'une porte s'ouvre pour toi, lève ta main, quelque chose se passe. Commando, à m'arranger de droite et d'une personne. L'Esprit de Dieu en train de descendre comme un feu aussi la vie de cette personne, c'est une femme. Il y a un feu qui est en train de descendre sur elle. Elle est à l'extrême gauche et elle est de tes pères. Et l'esprit de mort est en train de combattre sa vie. Mais pendant que je parle, il dit, elle est là, elle s'est arrêtée de toi. Il y a la puissance de Dieu en train d'arriver sur elle. Il y a un esprit qui va partir. Alors je commande maintenant tous les esprits qui sont dans ce salle de partir maintenant. Chantez! Je commande à tout ce qui est fermé. Toute porte qui est fermée de s'ouvrir maintenant. Et si tu as la foi, tu reçois cela maintenant. Il dit, levez les mains simplement. Quelque chose se passe. Laissez l'Esprit de Dieu se promener. Laissez l'Esprit de Dieu passer dans les rangées. Laissez l'Esprit préparer les esprits. C'est le toucher les cœurs. Il dit à ma main de droite et d'une personne. Dans les 3 secondes qui suivent, l'Esprit de Dieu est en train d'arriver sur toi. Depuis un second, quand tu dors, tu vois comme des gens qui sont morts dans tes rêves. Et que tu sens comme une oppression, une lourdeur dans ton atmosphère. Et elles sont deux, une à ma droite, une à ma gauche. Pendant que je parle, la main de Dieu arrive sur vous maintenant. La main de Dieu arrive comme du feu. C'est comme si tu as l'impression qu'on venait te chercher. C'est comme si quelqu'un veut te laisser. C'est comme s'il y a un esprit de mort qui est en train d'agir. Voici la main de Dieu! Je dis, soyez fort, dans 3 secondes, commando, la personne ne pourra pas tenir la route. J'ai parlé de l'esprit mort. 1, 2 et 3, voici l'onction. Recevez! Une autre à ma gauche ici, voici l'esprit. Et d'autres personnes, esprit de mort, je n'ai pas des œuvres. Allez, sors! Allez! Maintenant, regardez. Quelqu'un est en train de recevoir un manteau. J'ai dit, Seigneur, je veux être réveillé spirituellement. Je veux le manteau du réveil spirituel. Dieu lui a accordé ça à 5 personnes dans la salle. À 5 personnes. Il y a 5 personnes qui ont recevoir 100 ans. C'est le manteau du réveil, ça va dire tous les 100 ans. Aidez! Jesus! Je lui ai dit, soyez vigilant. Si vous ne suivez pas les gens, ils vont casser la salle ici. Soyez là, derrière là-bas. Suivez derrière là-bas. Suivez derrière là-bas. La gloire de Dieu encore se répand. Dans cet atmosphère, si tu avais un souci, prie, commence à prier le Seigneur. Si tu avais un besoin, une déclaration intelligente, quel que soit ton besoin, commence à prier, ne reste pas en spectateur. On n'est pas là, c'est pas un spectacle. Commence à prier dans cette atmosphère, fais-moi confiance. Demande ce que tu veux, quel que soit le problème, les anges sont là maintenant. Ton problème est en train de te révéler. Regarde, si tu as une maladie, te pose la main là où tu as mal, comme eux, ça parle de tous les sens. Suivez. Regardez, venez à ma gauche. Venez, regardez ici. Regardez ici. Voici l'esprit. Et t'es droit. Jesus! Venez ici. Regardez, venez ici. L'esprit est en train de partir. Oh my God, Seigneur, merci pour ta touche. Fire Jesus! Oh mon Dieu. Venez ici. My God, Jesus! Voici ça, Jesus.
3 secondes, tu vas être là. Vous le pouvez mettre 2, 3 personnes au bout de son cœur. Il va le faire, lui. Il va même avoir beaucoup de personnes pour lui. En 3 secondes, dès que je me récupère, j'ai fait un pas en arrière sur le 1, 2, 3. Fire, Jesus! Et je me dis, ça va tirer. Hey! Voici sa part! Voici l'enfant! Vous ne pouvez pas le maîtriser. Et vous ne pouvez pas le maîtriser. L'Esprit de Dieu est en train d'entrer en arrière, ça va plus. À partir de maintenant, il y a des choses qui vont changer. Reçois la grâce. Suivez-le, 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 suivez-le. Voici ta part. Voici ta part. Quelque chose dans ma vie. Merci pour ce moment, merci pour les vies que tu disposes, merci pour les cœurs, merci parce que tu es fidèle, tu ne changes pas. Je prie que ce moment soit béni, je prie que tu touches les cœurs, je prie que les vies soient restaurées, je prie que ta parole fasse du bien à tes enfants. Merci dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes en train de voir un enseignement. Amen. Et nous finissons aujourd'hui. Je veux bénir Dieu pour la vie de tout et chacun. Je salue tous ceux qui nous visitent la première fois. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici chez vous. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout et chacun ici. Amen. Amen. Voilà, on va prendre la Bible rapidement. On va prendre Hébreux chapitre 5, verset 4. Ésaïe 66, verset 1. Et 2 Chroniques 20, 20. Rapidement. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Ok. Réponds la dernière partie là. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ok. Ok. On continue. Si par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, et quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Amen. On acclame très fort le Seigneur. Et on lit le dernier verset, Hébreux 5:4. Lui ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Faut répondre encore bien. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. C'est 2 Rois chapitre 4, verset 8. Je lis. Un jour qu'Élisée passait à Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Il faut dire un saint homme de Dieu. Verset 10, « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant de revenir à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et il dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Faut dire tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut dire, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée,
Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et Élie, et il dit, que fait pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Je vais aller rapidement. Il parlait des trois clés. La dernière clé que nous envoie, c'est considérer l'onction qui te grandira. Considérer l'onction, amen, qui te grandira, ou bien l'onction sous laquelle tu es. Amen. Considérez l'onction sur laquelle vous êtes. Considérez l'onction sous laquelle vous êtes. C'est très important. C'est très important. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris le temps de préparer le terrain déjà pour aboutir à la. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à ma parole. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 5, verset 4, que personne ne s'attribue cette dignité, cet honneur, s'il n'est appelé de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le service de Dieu, en fait, c'est un honneur. C'est-à-dire la seule chose que tu puisses apporter à un homme de Dieu, c'est de l'honorer. La moindre chose du moins que tu puisses apporter à un homme de Dieu, c'est de l'honorer. Pourquoi? Parce que, selon ce que la Sunamite a dit, elle dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de lui un saint? C'est parce qu'en lui habite la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'en lui habite la puissance de Dieu? Dieu dit, il dit dans Isaïe 66, verset 1, il dit, il fait du ciel son trône et de la terre son marche-pied. Ça veut dire que quand on parle de marche-pied, c'est quoi? Un marche-pied, c'est quoi? Un marche-pied, c'est quoi? Ma fille va le dire. Un marche-pied. Voilà, c'est le sort. Ce qui nous sert de marche, tout simplement. Alléluia. Donc, ça veut dire que si on veut faire une application, on va dire que Dieu fait du ciel son trône et, comment on appelle, de la terre, comment on appelle ça? Son marche-pied. Maintenant, comment est-ce que ça, si on dit Dieu fait garder son marche-pied, ça veut dire qu'on va voir Dieu marcher sur la terre. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu marche sur la terre. Oh, Dieu marche sur la terre comment? Donc, conformément à tous ces versets qu'on vient de lire, la Bible dit que dans Hébreux chapitre, comment on appelle ça, 1, que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et de nos jours, il nous a parlé par son Fils. Vous voyez, avant, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient en fait. Comment on appelle ça? La présence d'un prophète sur terre était l'image ou l'expression de la présence de Dieu sur la terre. Alléluia. Et ces prophètes-là, quand leur parole était en quelque sorte immuable, ce qu'ils disaient, c'était irrévocable. Vous voyez peu. Ils avaient en quelque sorte le plein pouvoir. C'est quoi Élie pouvait dire, sinon à ma parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Élie pouvait dire, sinon à ma parole. Et quand vous voyez même les rois, les chefs, tous étaient soumis au prophète. La Bible dit quand Saül partait chez ses annexes, il allait et c'est Saül qui l'a oint. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, avant d'aller chercher la faveur du peuple, il est venu voir, il est venu du moins et le prophète Samuel l'a oint, il a établi au roi. C'est comme si je prends quelqu'un qui n'est même pas comme ministre et je vais lui dire, j'ai établi ministre. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'à l'origine, les gens concevaient les choses. Ça veut dire qu'il veut être directeur d'une entreprise. Il vient, on voit, si le prophète voit qu'effectivement, ça va avec sa destinée. Amen. Il établit ainsi, avant même qu'un soi-disant directeur quelque part le nom. Vous voyez, il comprenait. Il savait que le prophète était en quelque sorte celui-là qui donnait l'autorisation céleste avant même que quelqu'un parte posséder physiquement ce qui est établi. Il faut lui dire amen. Il faut lui dire amen. Donc tous les rois qui ont régné, au moins un prophète a touché les têtes avec lui. C'est quoi dans le 2 Chroniques 20:20, la Bible dit de croire en Dieu. On dit de croire en Dieu. Si tu crois à quelque chose d'autre en dehors de Dieu, tu es perdu d'avance. Mais la Bible dit se confier. Parce qu'on confie, tu vas quelque part, tu confies, amen, ton enfant à celui en qui tu fais confiance. À celui en qui, amen, tu crois qu'il peut, amen, te réveiller. Alléluia, c'est à lui que tu confies ton enfant. Donc Dieu dit, confiez-vous mes serviteurs, les prophètes. Et le pronom possessif, mais, est important. Il dit, mais, prophète. Et le terme prophète, que traduit par l'hébreu, amen, c'est napi, ça veut dire porte-parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, entre le spirituel et le physique, le lien c'est la parole. Entre les hommes et Dieu, il y a qui? Il y a Jésus. Alléluia. Et Jésus, quand il partait d'aller sur l'église,
entre les mains des 12 apôtres. Vous m'entendez bien, suivez-moi très bien. Et les apôtres allaient tout, amen, ont continué le travail. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit, soyez mes imitateurs. Et le verset se termine pas là. Il dit, comme, le comme ici est important, je le suis de Christ. Ça veut dire, ça revient au prophète d'être l'image exacte de Jésus. C'est pourquoi Pierre, tous les apôtres travaillaient à être, amen, à l'image de Jésus qui est le maître. Vous comprenez un peu? Tous les apôtres travaillent à être à l'image de Jésus qui est le maître. Et travailler à l'image de Jésus qui est le maître signifie que quoi? Ils allaient avoir les caractères que Jésus a manifesté. Amen. Et la puissance qui était sur Jésus les accompagnait aussi. Il faut dire amen. Amen. Donc si Pierre liait quelque chose sur la terre, forcément c'est lié dans le ciel. C'est pas Jésus a dit, c'est que vous allez lier sur la terre, sera lié dans le ciel, faut dire amen. 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 C'est ce qui montre qu'on te connaît au ciel. La Bible dit que, comment on appelle ça, Daniel, quand il priait, faisait ses bêtises sur la terre. L'ange s'est révélé, l'ange a dit, Daniel, en fait, tu es un bien-aimé au ciel, faut pas t'inquiéter. Non, tu es en train de prier depuis, ça prend pas. Sinon, tu es en train de te rassurer. Tu es un bien-aimé au ciel, on te connaît, tu es dans le conseil céleste. Tu quand on prend les décisions au ciel, on te consulte aussi. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Donc, ce quand on dit à quelqu'un, c'est que tu liras sur la terre, sera lié dans le ciel. Ah, on sait que Dieu lui sied dans le ciel. Bon, en ce moment donné, ce temps-là, lui, lui qui est sur la terre, il règne, il est au-dessus de Dieu ou de quoi. En fait, dans le nom dit, ça vous dit que cette personne fait partie du conseil céleste. Amen. Il fait partie des décideurs de la terre. Amen. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas dit bien amen. Amen. Il fait partie des décideurs. Donc, Pierre qui marchait parmi les gens, c'était pas n'importe qui est. Pierre faisait partie des décideurs d'alors. Il pouvait dire, déclarer la mort sur quelqu'un. Et il n'y a pas Michael qui a dit non, Pierre, tu t'es trompé. C'est que Pierre a dit là, c'est ça qui est là. Il faut dire bien amen. Quand Ananias et Saphira sont venus devant pour mentir, Pierre a dit qu'aujourd'hui même on t'enterre. Il n'y a pas un homme qui a dit non, ainsi par l'éternel, tu l'as. Non, non, il est mort. Le ciel a cautionné ça sur le sang. Il est mort. Ça dit quand Pierre parlait, Pierre ne faisait que être le porte-parole sur le sang de ce que le ciel avait décidé. Donc Pierre était un porte-parole. Donc il revient à tout homme de Dieu, quand il se lève, quand il passe. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de vous parler ce matin, je suis en train de parler, de dire ce que le ciel veut vous dire, vous tous en même temps, actuellement. Donc quand quelqu'un qui décide après dit, bon, Dieu ne parle pas depuis, ça veut dire que tu es un hypocrite. Parce que Dieu a disposé l'église pour censé communier avec vous. Et comment il communique à partir de son porte-parole qu'il dispose pour te parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a dit, je l'ai envoyé des prophètes. Je vais pas quelque chose de simple tout à l'heure. Et quand l'homme riche et Lazare sont morts, Lazare le pauvre, quand il a dit, Seigneur, il faut me faire descendre sur la terre, je vais parler à mes frères. Dieu a dit, non, il ne faut pas t'inquiéter. Sur la terre, il a dit quoi? Qui lit sa Bible? Sur la terre, les prophètes sont là. Mes serviteurs sont là. S'ils doivent être sauvés là, ils vont forcément entendre par ces personnes. C'est pourquoi respecter l'ordre. Il y a des gens qui ont dit la Bible, c'est fini. On dit ce qui se passe, où est le problème dans toutes les nations où l'ordre spirituel n'est pas respecté. Il y a la mort, il y a beaucoup de choses qui se font. Et le diable réussit à mettre le désordre, la cacophonie, et on est là, on est perdu. Alléluia. Amen. Il faut dans ça, dans ce billard, dans ce désordre là, toi, il faut reconnaître l'onction qui va te bénir. Amen. Et puis il faut servir dans cette onction. Amen. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Il dit, Josué, serviteur de Moïse. Il ne dit pas, Josué, serviteur de Dieu. Avant d'être serviteur de Dieu, avant d'être fils de Dieu, il faut commencer à être fils d'un homme pour être fils de Dieu. Ah, on est là, il parle fort. Il faut bien me fumer. De toute façon, je n'ai pas l'air la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit avant d'être, Dieu dit à Josué, serviteur de Moïse. Il y a rien qui vient à l'église. Moi, c'est Dieu, moi, regardez. Parce que je m'en fous de lui. Attends, tu es présenté ou quoi? Attends, mais va faire bonjour 2017. Ça, c'est la plaisanterie. Mais soit, tu ne lis pas ta Bible. Vous comprenez que la Bible dit, quand Dieu voulait parler sur la terre, il parlait par la bouche de ses prophètes. Et Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, vous avez été édifié le passé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Ça veut dire que Jésus cautionnait tout ce qui se faisait.
et ça n'a pas changé. De l'Ancien Testament, nous sommes passés au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus une affaire de prophète seulement, mais c'est une affaire de cinq ministères qui sont en fait les marches ou bien les pieds de Dieu sur la terre. Chaque fois que vous recevez un homme de Dieu, et vous considérez, parce que Dieu, il marche sur la terre à partir de ses points. Et Dieu, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils ont un mythe. Dans leur tête, là, ils sont bloqués. La Bible dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu lui-même est un esprit. Donc, quand on dit quelqu'un a Dieu en lui, en fait, c'est une portion de l'esprit qui est Dieu en lui. Donc, ça veut, on dit quelqu'un est un porte-parole de Dieu. Ça veut dire que cette personne qui a en lui l'esprit de Dieu parle de la part de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit à Moïse, à Aaron, hein, que Moïse sera ton Dieu et tu seras comme son prophète. Comment il faut comprendre ça? Est-ce à dire que Moïse est Dieu? Non. Un Dieu, c'est celui qui ordonne, qui peut donner des ordres. Et il y a les grades. Le Dieu que nous avons, il est le Dieu des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Moïse allait donner des ordres à Josué et Josué allait répéter textuellement ce que Moïse lui disait. Quand Moïse dit, dit au peuple que Dieu va les frapper. Aaron n'a pas le droit de mettre un autre synonyme ou pas. Ce qu'il entendait, c'est ce qu'il répétait. C'est comme ça. C'est comme quand on prophétise à l'église. C'est ce que tu reçois que tu transcris. Souvent, ça te bouscule. Parce que tu reçois ça fortement. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tu me comprends comment ça acclamer le Seigneur? Parce que. Alléluia! Alléluia! Donc, il a dit, reconnais l'onction qui te bénit. L'onction sous laquelle tu es. C'est très important. C'est très important. La Bible dit au départ, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur la terre, l'Esprit de Dieu a oint. A oint qui? A oint les hommes. Ça veut dire qu'un esprit, il n'a de fait quand il s'exprime au travers d'un corps. Vous comprenez un peu? Dieu ne peut pas vous parler comme ça. De... Non, c'est difficile. Ou bien Dieu fait comme ça quand tu es en train d'échapper. Et là, c'est dans sa volonté permissive. Alléluia. Sinon, Dieu a pour habitude de parler à partir de votre parole. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. 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 Alléluia. Il faut dire, tu parles à quelqu'un. Quelle est l'onction qui te bénit? Alléluia. En fait, je vais, c'est comme quelqu'un quand vous, qui est déjà sorti d'abord. Tout le monde dit qu'il est sorti d'abord. Je vais vous prêter. Il y a des panneaux qui vous indiquent à chaque fois quand vous devez arriver dans une ville, le nombre de kilomètres qui vous reste et ainsi de suite. Est-ce que le panneau là, c'est le panneau qui est la ville? Le panneau c'est de quoi? L'indicateur. Donc l'homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Mais le te référer au panneau est important pour la suite. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas qu'il dit croyez en Dieu. Mais confiez-vous à ce qui concerne votre réussite sur la terre. Dieu, c'est un que Dieu a laissé sur la terre. Pourquoi tu n'as plus confiance à un homme sur la terre? Ah, on fait comment là? On fait comment? Parce que tu ne sais pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, comme mon père et ma maman, ils m'ont foué. Hein? Parce qu'il fait lui dire deux mots. Tu sais pas que le passé, mais tu ne respectes plus que ton père et ta maman. Qui c'est ça? Amen. Ah, il y a un choisi. Quoi? Alléluia. Amen. Jésus était plus vieux que Pierre. 1000 fois. Ils ont dit non. Eh, en fait, ce qui a tué les gens de Jérusalem, c'est parce que Jésus était habitué à eux. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont voulu limiter Jésus par rapport à ce qu'ils avaient connu de lui. Jésus a dit non. Et puis il est parti même. Si toi, homme de Dieu, tu ne connais pas ta place, Dieu aussi ne va pas t'honorer. La Bible d'Hébreux, chapitre 5, verset 4, que personne ne s'attribue cette dignité, cet honneur, s'il n'a appelé de Dieu. S'il n'est pas appelé de Dieu, c'est lui qui l'a appelé de Dieu. Ça, c'est son problème. C'est Dieu qui a le frappe. Maintenant, toi, ce que toi tu dois, c'est le respect. C'est l'honneur. Honneur, honorer est différent de t'adorer. Je dis ça parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est une des choses que le diable travaille dessus pour bloquer, pour détruire l'église. Alléluia. Alléluia. Tu estimes que tu allais quelque part d'abord, tu as fait un songe, il n'y a pas Dieu là-bas. Si tu veux, tu quittes tranquillement. Tu n'as pas besoin de devenir porte-parole, aller gâter, parler ici, partout, sur le net et autres. Moi, je ne vous conseille pas ça. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tu t'es d'abord fait comme ça. Attendez, il y a encore des hommes de Dieu sur la terre. Si on dit qu'il n'y a plus grand homme de Dieu sur la terre, on entend dire qu'il n'y a plus Dieu sur la terre. Puisque selon les versets que vous avez donnés, les hommes de Dieu sont les marche-pieds de Dieu. Amen. Donc s'il n'y a plus un homme de Dieu sur la terre, ça veut dire que Dieu n'est plus sur la terre. C'est Satan qui est sur la terre. Donc commencez à vous tuer, c'est plus la peine de venir à l'église. C'est plus la peine de venir à l'église. C'est plus la peine de prier dans vos maisons. Parce que s'il n'y a plus d'homme de Dieu sur la terre, c'est que Dieu n'est plus sur la terre. Oui, je le dis. Parce que Dieu veut de ses anges, des esprits. Les anges, eux, tous les musées s'arrêtent, ils sont des esprits. Mais c'est à partir des hommes de Dieu que Dieu crée le contact direct. Souvent, Dieu veut te bénir, mais souvent, il faut une imposition, un contact physique comme ça. C'est important. Non, ici, tu es béni. Tu es béni, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu viennes pour quelqu'un, un homme comme toi. Que Dieu a décidé de faire Dieu pour toi. Te touche comme ça et dis tu es béni. Et à ce moment donné, c'est que tu croyais toi seul à la maison. Va commencer à prendre tes filles. Faut dire bien amen. Alléluia. Donc, faut savoir une chose. Il y a chacun ici, amen, a besoin d'une couverture spirituelle. A besoin d'être sous une onction. On n'a pas 10 onctions. Maintenant, souvent il y a la théorie des pères spirituels que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui t'a évangélisé pour la première fois, il n'est pas forcément ton père spirituel. Un père spirituel, comme le terme le dit, on dit père. Un père, c'est celui qui engendre. Donc, un père spirituel, c'est celui qui t'a engendré dans le domaine de l'esprit. Quelqu'un peut t'avoir évangélisé, mais est-ce qu'il t'a engendré, est-ce qu'il t'a amené à avoir une relation personnelle avec Dieu? Maintenant, donc, maintenant, ils sont devenus maintenant serviteurs de Dieu. Dans cette étape-là, c'est quelqu'un qui l'a apporté ça. Donc lui va continuer de prendre celui qui est évangélisé pour son père spirituel. Ça sort au sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu fais des gens depuis non, moi mon père spirituel est là-bas. Hein. Et puis tu viens à l'église, quelqu'un s'est détaché pour toi. Et puis tu es poli. Alléluia. Amen. Tu lis ta Bible. Il y a une notion. Je peux prendre un exemple bizarre ici. Vous voyez, l'onction, c'est un peu comme l'onction. Qui connaît l'onction de cette vie? L'onction, malheureusement, c'est comme de savoir que l'onction ne change pas. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Vous voyez? Et l'onction, quand l'onction vient, amen, l'onction ne change pas quelqu'un. Mais l'onction a des, comment on appelle ça? A des prérogatives. Vous voyez, oh, le terme va me dire, on dit prérogatif, c'est ça non? Prérogatif, voilà, merci. Ça dit, sans ça, la longueur ne peut pas marcher. Et c'est ça, on va voir ça. Première prérogative. Un, quand on prend dans deux rois, la Bible dit, lorsque Élisée est partie chercher cette femme, ça dit, pour que vous voyez une onction agir dans ta vie. Tu peux être dans une onction, c'est comme cet homme-là qui était à la piscine de Bethesda. Mais il est resté malade jusqu'à la fin. Tu peux marcher à un homme de Dieu. Judas était un voleur. Lisez bien la Bible. Il est marché avec Jésus comme ça. Il n'a pas changé, Jésus qu'il est mort. Tu peux être dans une église. Et puis tu peux rester tel que tu es. C'est pas parce que le pasteur n'est pas puissant. Dieu merci, Dieu fera que d'ailleurs témoin autour de toi pour que tu saches que le problème, c'est pas le pasteur ou Dieu, mais c'est toi. C'est pas que tu vois, n'es pas courageux de reconnaître que c'est toi qui es le problème. Sinon, si Dieu n'est pas là, pourquoi les autres témoignent? Pourquoi Dieu agit dans la vie? Alléluia. Quand on fait, quand l'onction vient, puis Dieu met ton pas en langue, ça tombe, c'est juste pour quoi? Pour faire comprendre tous ceux qui sont là. Sinon, Dieu peut agir dans le ciel. Que je suis là. Et quand je suis là, la délivrance peut être possible. Quand je suis là, la guérison peut être possible. Ça, ce n'est que des manifestations. Mais au-dedans de ça, Dieu veut impacter les vies. Il fait ça pour quelqu'un qui voit, il sait que c'est quelque chose de simple. Pourquoi il tombe? Donc, il est là, quelqu'un qui est disponible. Mais malgré ça, d'autres ne l'ont pas. Ils sont là. C'est juste pour ça que Dieu fait. Pourquoi tu sais que c'est un lieu différent? Est-ce que tu vas dans ma vie, les gens comme nous? Donc là, tu te fous, tu fais ce que tu veux. Mais Dieu fait ça pour que tu saches que c'est un lieu différent, ma fille, mon fils. Ce lieu est issu, c'est intarissable. Ici, tu peux voir ta vie changer. Ici, de la négliger, tu peux devenir celui qu'on considère. Ici, quelque chose peut se passer. C'est juste pour ça. Et il permet les guérisons, les miracles, juste pour qu'on sache qu'il est encore capable et que la crainte soit dans le cœur. Si Dieu a cessé de faire des miracles, il n'est plus Dieu. Si on n'est pas, s'il n'y a plus de miracles quelque part,
c'est que Dieu n'est plus là. Jean-Baptiste a dit aux gens, allez demander si c'est Jésus qui est. Jésus dit, dites à Jean-Baptiste, les aveux voient, les paralytiques marchent, soit entendus. Donc en quelque sorte, Jésus est égal à ces choses. Alléluia. Amen. Attends très fort le Seigneur pour bénir. Quittez la représentation inutile. L'onction a des prérogatives. L'onction, il y a des, l'onction a des marches, des pieds, des choses qu'il faut mettre en place pour qu'une onction puisse venir. Pourquoi Judas n'a pas été béni? Et puis Pierre est sorti dans cette affaire à transformer. Jean est sorti dans cette affaire à transformer. Et tous sont sortis, sauf Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, il ne respecte pas vraiment la Jésus. Excusez-moi. Je dis tellement dans mon état d'être. Judas, merci, il ne respecte pas dans le fond même Jésus. Vous comprenez un peu? Il était dans, dans son esprit, dans sa manière à lui. Donc je disais, quand Élisée, dans Deux Rois, il est rentré chez femme, dans Deux Rois chapitre 4, la Bible dit, la femme a regardé Élisée, elle dit, je sais que ce homme est un saint homme de Dieu. Maintenant, on va voir. Comme elle sait que c'est un saint homme de Dieu, qu'est-ce que cela la pousse à faire? Première chose, elle dit, bon, quand il passe, il faut qu'il lui donne à manger. Vous comprenez un peu? Donc le fait même de connaître le premier nom de Dieu, là, c'est une marque de considération. On dit pas de la bouche, il y a les considérés, il y a les considérés, c'est quoi ça? Et puis le gars se dégâtasse, toi tu t'en fais comme le frère d'ailleurs. La première marque de considération quand vous devez un homme de Dieu, quand vous faites une femme, quand vous faites une considération, c'est pas dans l'Ancien Testament que les gens partaient consulter les prophètes. Ils s'arrangeaient au moins à venir avec un présent. C'est ça que tu considères son prophétie. Ça dit que tu sais qu'il a parlé sur ta vie, tu dois amener sceller. Tu dois amener. Par cette action-là, tu lui montres que tu crois à son ministère. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme a étudié. C'est comme ça que les choses étaient. Alléluia. C'est mettre, ça donne à Seigneur les choses. Mais un secteur de Dieu authentique, il ne te force là-bas. Si tu n'as pas fait, Dieu va disposer dans le monde de quelqu'un. Il n'y a rien à faire. Parce que des gens veulent que des prophètes, des gens meurent endettés. Quand ils voient un homme de Dieu qui marche à la oh, Dieu avec lui. C'est pas bien. Oh, c'est le même toile qui met. Le passé à sa chaussure, c'est pas trop ça. Hein? Vous voulez qu'on juste. Donc, on est nu pour vous moquer. On a bien. C'est ok. On va où ça maintenant? On va où ça? Oh, sa femme aussi, quand c'est pas le sérieux. Bon, sa femme aussi s'habille un peu bien. Notre argent là, vraiment. Vous voyez? Et quand on compte, quand nos cœurs comme ça, pourquoi ça vous ne savez pas que c'est le cœur que Dieu compose? Bon, quand ton cœur est comme ça, et puis tu pleures, Seigneur, Dieu même il voit ton cœur. Tu es dans le passé, tu dis, ma fille, elle vraiment, elle pleure, elle aime Dieu. Dieu dit, et toi, tu es sûr que tu es bien conduit par ton esprit, par mon esprit. Alléluia. En 2017, ne cherchez pas à appeler à quelqu'un. Travaillez à votre adoration. Quand vous voyez, vous dites quelque chose, quelqu'un qui ne doit pas réussir dans la vie, il peut facilement parler mal du sacré. Et vous dites aujourd'hui. Même vous allez voir les païens, les grands hommes, les personnes, même qui sont dans le monde. Souvent, des gens, c'est les païens qui ne respectent plus les hommes de Dieu qui est chrétien. Dans l'église, on dit tel a donné terrain. C'est souvent, c'est des gens qui ne sont même pas bien convertis. Et on dit la vérité. Encore moins de payer cette Dieu-là. La plupart des grosses offrandes qu'on a fait, là, c'est des gens qui ne sont pas bien, c'est même pas ensemble. Oui! Regardez cet homme-là. Cette femme qui a versé le parfum de nard. Pourquoi Jésus a dit, nous, regarde, laissez faire. Voici là où lui est Judas, par là, va commencer. Judas dit non, on a qu'à vendre ça pour donner aux pauvres. Comme si Jésus aussi n'a pas. Elle est en train d'honorer Jésus. Je vais vous expliquer la Bible ce matin. Ce qu'elle est en train de faire, elle honorait le Fils de Dieu. Amen. Judas dit non, on peut vendre pour donner aux pauvres. Et il y a des gens qui ont dans l'église. Ils estiment que même la chose que le pasteur apporte, on fait payer, vendre ça pour payer un micron. Oui. Ça dit, c'est ça quoi? Il y a un homme de Dieu qui disait, il dit même, il dit dans la même, il dit, les gens se disent que les gens disent que lui, il s'habille bien. Il dit, mais moi, on me voit, toi-même quand tu as pillé ta porte, ta chaussure, tu es assis, personne ne voit. Au moins ici, assis là, moins sur la tout le monde il marque ça. Donc il doit être présentable. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien ce matin? Donc j'espère que quand tu me vois bien comme ça, tu es content. Amen. Attends, on va laisser. Non mais il faut que tu sois honoré. Alléluia. Si on dit, ah, on a vu ton passé, là, après, moi, il va rendre brisé, en récit, en débatté, c'est la honte. Toi, mais ça va pas te faire honte. Ça va te faire honte. Ça va pas te faire honte.
à moins que tu n'aimes pas ton papa. Oui. Qui était dans le groupe de ceux qui. Vous pensez que c'est habillé, porté, petit habillé, puis c'est couché, c'est ça qui est l'humilité. Yeah, yeah, c'est ça que tu es pas mal parlé. C'est pas ça qui est l'humilité. Alléluia. Donc la femme, quand elle a vu, elle dit, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Première chose, elle lui a donné à manger. Elle dit ça là, non, c'est petit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné une place. Maintenant, asseyez-vous, je vais vous donner mal à la tête de Dieu. Elle a fait quoi? Elle a donné une place chez elle. Quand tu considères l'homme de Dieu, au-delà des gestes extérieurs, ce qui est important, c'est qu'il doit trouver une place dans ton cœur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai compris ce qu'elle a dit? Elle lui a donné la nourriture saine. Nourriture, même à mentir, on donne ça. Mais pour montrer qu'elle considérait cet homme-là, elle dit non. Il faut qu'il vienne chez nous ici. Pour qu'il puisse loger. Et quand elle a fait ça, Élisée même était dérangée. Elle dit, oh, on fait quoi pour toi? Ça dit qu'elle m'a pris plus. Lui-même, Dieu m'a embêté, Dieu m'a béni. Cette année-là, faites ce que vous avez fait. Dieu va vous dire, attends, Marie, tu n'es pas maintenant. Tu as dit non, Seigneur, actuellement, moi je veux parler en langue, je ne veux pas parler en langue, Marie, on t'attend pour nous. Parce que tu n'es pas en galère de ça. Ça te poursuit même. Quand je suis là, c'est mariage. Tu dis, quoi, attends, il y a quoi? Je ne veux pas venir à 21 jours de jeûne. Mais quand tu n'es pas serré, même. Bon. Ça veut dire que tu es prêt, même les mariages en maison, tu es prêt à te servir. Non, on va convertir ça dans le métier, un femme en son, c'est vrai. Mais il aime Dieu. Oh, il dit, il mais encore, pendant ce temps, tu parles la langue. Ça, là, tu peux supporter ça. Il a dit ici que Dieu veut te bénir, mais il ne peut pas te bénir à tous les prix. Il ne peut pas te perdre. Donc, dans cette affaire-là, si tu n'étais pas dans ta affaire de Dieu, puis tu as connu la chose, tu n'as pas de problème. Mais tu es dans frère, tu parles la langue, tu es bien sanctifié. Et puis, dans ça, là, tu dis, non, demain, il allait prendre. La femme, était la présence comment? Oh, il a oublié l'expression, les chrétiens d'avant, avant, c'est qu'ils sont forts dans ça. Moi, il met pas mon Boaz. Avant que Boaz va venir faire confession de foi, s'il n'a pas. C'est les juifs en fait, les juifs. Parce que lui, il n'a pas. La Bible dit pas chez lui. Le frère a pris au moins la Bible dit. On sait jamais. Mais lui, la Bible dit pas. Ça vient, il te porte, il te frappe en même temps. Alléluia. Donc, le temps, tu as fini que tes jeunes là. Souvent, tu es dans jeune. Et tes jeunes là, qui vient. Où tiens? Et puis, il est là. Viens ici là. Et toute ton onction, tout ta sainteté, et puis il met son alcool sur toi. Tu as fini de supporter tout ça. Faut pas dire, donc tu t'es mis dans tes ça. Faut pas accuser quelqu'un. Alléluia. Alors est-ce que je parle à des gens ce matin? Est-ce que je parle? C'est pourquoi soyez sérieux. Alléluia. Donc quand elle, la personne qui montrait est considérée de l'Élysée, elle a trouvé une place chez elle. Ici, c'est une image, c'est pour dire seulement que quand vous voulez, amen, voir la gloire de Dieu, quand vous reconnaissez une notion, la vie de l'homme de Dieu, vous pouvez lui faire. C'est vrai, ça c'est le premier niveau, les offrandes de haut. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut trouver une place dans ton cœur pour cette personne. J'ai dit, c'est pas à Moucha, c'est pas les saints de Panin. Voilà. Ah, le passé, on va l'aimer. On va l'aimer. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Il dit. Parce qu'il faut qu'il parle bien. Ah, parce que Dieu, on a les mêmes lui seul. Ok. On va faire, les frères vont faire ce genre de quoi. Je n'ai pas dit ça. Amen. Je dis, voilà, la même manière que tu tombes la place, une place de ton cœur pour Jésus là. C'est de ça que les gens ont parlé. Vous comprenez un peu? Voilà. Parce que quand tu portes quelqu'un dans ton cœur, alléluia, tu es prompt, tu compatis. Tu ne peux pas te mettre pour parler mal de la personne. Quand on parle mal de la personne, tu as envie de gifler mais la personne qui a donné parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, fais comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Parce que quand vous faites ça, Élisée a dit, pourtant cette femme-là, elle traversait une situation qui était presque incurable. Elle n'avait pas de fils. En Israël, même si tu as 100 enfants, qu'il n'y a pas de garçon, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, puisqu'elle est dans cette situation, et puis elle a montré à Élisée qu'elle ne faisait pas, elle ne donnait pas la nourriture parce qu'elle voulait, elle attendait forcément quelque chose de lui. C'est pas dans ce que vous faites, n'attendez pas forcément qu'on parle de ça. Faites ça comme ça. Faites ça avec le cœur. Alléluia. C'est comme ça. En faisant ça, vous êtes en train de servir dans l'onction. Jésus, il savait qu'il y a les femmes qui servaient Jésus, qui étaient avec Jésus. On ne parle pas de ces femmes-là.
mais il y avait des braves femmes qui servaient Jésus avec ses pieds. Vous voyez les déplacements de Jésus à cette cathédrale. Donc il dit, non, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Vous voyez, c'est qu'il s'est marié, il a enfant, il a. Dieu va faire. D'après le nombre de Dieu, il y a deux factures. Il y a les parties de ceux de Dieu, c'est lui. Quand ça vient, c'est pas par la langue qui est juste. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu bois, tu travailles, tu fais ta vie, tu fais des offrandes. C'est une manière pour toi de servir. Amen. C'est le premier niveau. Mais l'autre, le deuxième niveau, c'est encore de porter ton pasteur aussi dans ton cœur. De la même manière, quand c'est comme ça, il y a un lien qui est créé. Et ça veut dire que quand il prie, Dieu peut agir pour toi. Jésus a dit à cette femme, il dit, femme, qui a-t-il en toi et puis moi? Donc il faut qu'il y ait quelque chose en toi et puis le pasteur qui prie. Comment le pasteur hein, que Dieu a mis sur ta route. Oui, il faut un lien. S'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas, toi tu viens, tu détestes et puis tu veux que Dieu agisse. Pourquoi? Dieu agit à partir de l'autre. Comment on appelle ça? Au travers du canal qu'il a choisi. Alléluia. Amen. Allé, doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est rentré dans son miracle parce qu'il a considéré trois hommes qui passaient devant lui. C'est la même chose, ça ne change pas. Je vous dis la vérité. Il n'a pas parlé pourquoi les dieux, on entend le passé, il dit oui, c'est pas grave. Vous savez, si vous passez, c'est pas grave. Voici, il a tué les choses, vous allez manger. Et quand il a fini de manger, la Bible dit, l'un d'entre eux dit, si tu veux que Dieu parle pour ta vie, il faut apprendre. Amen. Il faut arrêter le bavardage. Et pour servir Dieu sérieusement, fais ce que tu as fait. Il ne faut pas faire ça à cause de moi en tant que personne. Mais tu es obligé de le faire aussi parce que je porte en moi quelque chose qui fait que je suis obligé d'être important. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a su que Élisée pouvait changer quelque chose dans sa vie. Le fait que Élisée entre dans sa maison allait changer quelque chose. Les gens essaient, ils ont fait amitié dans le monde, ils ont fait, et ils sont amis à un pasteur. C'est dangereux. Je vous dis, c'est dangereux. Si vous voyez un homme de Dieu qui fait ça, qui est dans l'église et puis vous importe. Vous trouvez quelque part pour boire. Hein? C'est la plus grande malédiction. Je vous dis la vérité. Parce que, à part ça, il n'y a pas. Peut-être que Dieu peut t'envoyer quelque part encore. Mais je vous dis une chose. S'il n'y a plus d'homme de Dieu ou ta vie sur la terre, c'est que Dieu n'est plus sur la terre. Les preuves que Dieu est sur la terre, c'est par ses serviteurs. Les preuves aux hommes de Dieu maintenant de former deux hommes de Dieu, deux serviteurs et ses hommes. Quand toi, tu soutiens l'œuvre de Dieu comme ta vie, tu es aussi une servante de Dieu. Tu es en train de servir, contribuer pour l'œuvre. Et il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas dans ta vie. Il n'y a pas de raison que Dieu ne se souvienne pas de toi. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu connais l'onction qui te bénit? Alléluia. En date de 2017, il faut reconnaître l'onction que Dieu a mis sur toi. Il y a donc qui ont moins 20 pasteurs. Non, si un n'a pas vu, l'autre va voir. Ça, c'est que banditise ça. Et quand tu commences ta vie, tu es donné, tu n'es pas stable. C'est un peu comme, excusez-moi, c'est un peu comme une femme qui a plusieurs hommes. À un moment, toi-même là, tu n'as plus d'identité, ton cœur même n'existe plus. Et celles qui sont allées, qui ont fait le doctorat dans ça, après même là, elles sont là comme ça. Oui! Et toi seul, tu es là, tu as 7 personnes. Tu es ici, tu es ici, bon, on ne sait pas. Un moment de toi, mais tu ne sais même plus qui tu es. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est une seule onction qui va te bénir. Ne pas parce que quelqu'un en fait son sur toi. C'est pas ça. Les sons sont juste des informations. Mais il y a une onction qui a la capacité de venir changer les choses. C'est ça que je parle ce matin. Et quand tu es dans cette onction, quand Dieu t'emmène quelque part pour être plus sain, il faut être utile. Et les gens, ils ont fait 5 ans, 5 mois, 5, ils ont fait des années dans l'église. Souvent même ton pasteur ne connaît pas ton nom. Ça ne dit pas quelque chose. Parce que tu as fini l'église, quelqu'un finit, boum, t'es parti. Toi, tu es tellement grand que les gens de ton église, toi tu n'es pas dit. Vous laissez même, c'est difficile. C'est Dieu qui sait où bien tu es venu t'amuser. En 2017, moi je veux, quand je dis à quelqu'un, Dieu te bénisse ici, là, il va et puis te bénisse. C'est ça que je veux. Je ne veux pas te présenter, moi me suivre. Et puis après, toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qui t'est passé? Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère très sensible.
Tu reçois un prophète, tu ne le considères pas bien. Ça, il n'a qu'à prendre sa veste et puis il n'a qu'à sauter sur. Ça ne va rien faire. Lui, Pierre a été changé, Jean a été changé. Même Judas, il est versé Judas et puis il est mort. Ça ne vous, ça vous fait pas réfléchir. Jésus, où il est né là, il est venu dire, hey, Jésus, viens t'aller payer pour allumer pour moi là. Quelle affaire de Jésus? On te connaît ça. Quand ils ont voulu le briser, on voit des gens autour de lui. Ils voulaient le briser. Il ne savait pas que c'est Jésus qui était né chez eux là. Il était devenu le fils de Dieu. Il était devenu un leader. Quand il est venu, ils ont voulu le briser. Donc peut-être qu'ils ont voulu l'envoyer. Souvenez-vous qu'ils avaient 12 ans, quand Marie et puis Joseph ont dit, mais tiens où? Comme un enfant qui était vraiment le chicoté. Il a dit, je suis. La main leur a parlé là. Et ils ont compris ça en même temps. Il fallait que je fasse l'œuvre de celui qui m'envoie. Il a mis, il a col du bas. Alléluia. Alléluia. Dans cette affaire-là, quand ils sont devenus grands, dans cette affaire, donc, à cause de leur service, ils sont devenus des grands hommes d'affaires. Moi, je connais un papa, oh Seigneur. C'est-à-dire, lui, il vient, quand les gens vont lui dessus les chaises. Alléluia. Quelqu'un peut expérimenter ça? Alléluia. Il y a des gens, Dieu ne demande pas forcément qu'il faut avoir des grands moyens. Mais le peu que tu as, est-ce que ton cœur, la femme, elle n'a pas seulement donné la nourriture, mais elle a mis Élisée dans son intimité. Elle a mis dans son cœur. Si vous faites des choses et que votre cœur n'accompagne pas, c'est parce que vous faites, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Alléluia. Cette année-là, je vais encourager chacun au service. C'est pourquoi je bénis Dieu pour les femmes. Les femmes, regardez votre tour, vous avez arrêté. Oui, c'est les choses qui libèrent la grâce. Qui libèrent la grâce. Un homme de Dieu qui est rassasié, il vaut mieux qu'un homme de Dieu qui a fait. Parce que lui, il ne t'a pas maudit. Oui, je vous dis la vérité, il ne t'a pas maudit. Il vient presque, mais il était fâché même. Et s'il n'est pas lui-même, il n'est pas bien affermi, il va être corrompu. Je vous dis la vérité. La Bible, il y a un prophète dans la Bible, il est mort endetté. Ils sont venus prendre ses enfants pour être esclaves. Ça, c'est une honte. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu, c'est comme manquer. Il produit des manques, mais pas se nourrir lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire manquer? On peut mettre autour de lui pour l'aider à produire, pour qu'on puisse venir manger. Mais d'autres, elles viennent manger quand elles poussent et puis on se file. Laissez-le, c'est le diable qui l'habite. Il est même imprisé. Laissez-le, c'est le diable. Et les gens ne sont pas d'amour. Vous même prie pour que les hommes de Dieu, un homme de Dieu, lui, il ne va pas encore tomber à cause de ça. C'est la sorcellerie. Oui! Il y a des gens qui viennent, ils escroquent parce qu'ils font des coups bas pour venir à l'église et faire ça. Et vous plaignez, pourquoi est-ce qu'il y a des fléaux, il y a des choses? Alléluia! Alléluia! Les hommes du monde, ils peuvent se foutre de ce que nous on fait. Mais nous là, nous montrons-leur que nous, on ne se fout pas de ce qu'on fait. Peuple de Dieu, vous tous qui m'entendez, vous tous qui m'écoutez, on peut mépriser l'église, on peut nous mépriser. Mais nous, on parle de droit. De montrer aux autres, nous-mêmes on méprise ce qu'on fait. Les apôtres d'ailleurs se moquaient parce qu'ils disaient ils sont pleins de vin doux. Mais quand Pierre a dit, quand on a donné la parole à Pierre, après le speech de Pierre, 3000 âmes converties, c'est de ça qu'il parle. Parole, oh, c'est pas sans vœu. On peut se moquer de toi parce qu'on ne comprend pas pour le moment ce que tu fais. On ne comprend pas, on n'a pas la langue haute. Mais ça nous de le faire comprendre que ça peut changer des vies. Ça peut guérir un malade. Quand les gens voient ça, ils vont se dessaisir. Si on se moque de toi, dis-toi que c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu plus. Quand ils verront plus, ils vont se rallier au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Une onction, tu dois te bénir. Tu dois honorer cela. Alléluia. Tu dois honorer. C'est différent d'adorer. Alléluia. J'ai expliqué comment on m'appelle honoré. Parce que votre problème, c'est que les gens vous disent honoré. Et puis vous expliquez qu'est-ce que cela, quelles sont les implications de ça. La femme, elle honorait. C'est la raison pour laquelle elle lui a donné à manger. Un, elle lui a trouvé une place dans le cœur. C'est-à-dire qu'elle pouvait compatir quand il s'est dans le besoin à l'aider. Alléluia. Les maris de Madara, comment est-ce qu'elle montait qu'elle respectait Jésus? Elle était à ce petit soin. Quand Jésus est venu, les deux sœurs, une est laissée à ses pieds. Pour ne pas qu'ils s'ennuient et puis l'autre est dans la cuisine. Si aujourd'hui on arrive à un stade où il n'y a même plus cet amour véritable dans l'église, c'est parce que l'église qui est censée être le lieu de rencontre avec Dieu est devenue un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia.
filles qui prient pour que Dieu m'a montré que la femme du passé est morte. Que c'est moi qui m'a choisi. Alléluia. Si on voit les choses comme ça, c'est pas. En fait, ne riez pas. Ne riez pas. L'église a besoin de toi et moi. Et nous devons nous lever. Alléluia. Pour montrer autour de nous qu'il y a encore des gens qui adorent Dieu véritablement. Parce que ces choses qui n'existaient pas avant. Mais ces gens se sont infiltrés dans l'église. Infiltrés pour tuer la puissance de Dieu véritable. Pour tuer. La crainte n'est plus dans le cœur. Le gars même pour venir à l'église, il s'habille comme il veut. Il vient parce qu'il ne sait pas qui il va rencontrer. Même les filles, il y a des filles dans le monde. On les dit, elles s'habillent mal. Il y a des lieux où elles vont aller. Elles savent peut-être qu'une personne va aller. Pour faire bonne image, elle va porter soit cette soirée. À moins qu'elles ne connaissent pas le savoir-vivre. Elle sait où elle pense être minière pour se promener. Elle dit ça, elle meurt ou pas. Donc c'est ça qu'elle porte. C'est faux, mais c'est vrai. Elle sait comment elle dit ça, mais c'est pas ta côté mini qui arrive ici. Toi, mais la maman, t'es négatif, elle rentre dans la tête à mon cas. Alléluia. Je me rappelle quand on partait, on partait au Bénin. Il y a une femme, une jeune fille, elle a porté petit short comme ça pour moi. Derrière la haine comme ça. Elle me faisait pitié, tellement la haine à la main. Je sais qu'elle n'a plus fait ça. Alléluia. C'est comme ça. C'est-à-dire même dans nous-mêmes, là, Dieu a mis ça, cette loi-là dans notre esprit. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ces trois choses-là, si vous avez appliqué ça cette année-là, il n'y a rien à faire. Vous allez rendre témoignage. Vous allez rendre témoignage. Alléluia. Quittez dans l'esprit de Dieu, les gens qui disent, donc, ils sont bénis, c'est Dieu et ils respectent. Alléluia. Alléluia. On est ici souvent, je me mets dire aux gens, quand je t'aime, il y a des gens qui ne font pas. Parce que pour eux, c'est, on a parlé comme ça. Souvent on parle, ils sont en train de causer à côté. Tout ça, c'est pas de la considération. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à quitter la présence? Est-ce que quelqu'un veut que Dieu l'utilise? Est-ce que quelqu'un veut un instrument entre les mains de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut que l'onction qui est sur ma vie puisse le rendre grand? Ce n'est pas moi, hein? Mais l'onction qui a peut faire de toi un grand sur cette terre. Tu n'as pas dit qu'on est, tu ne pourras pas bien ensemble. Ce que tu cherches, que tu n'as pas eu, l'onction que si ma vie peut t'apporter cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la condition, c'est ce que j'en ai dit maintenant. L'onction n'agit pas comme ça. Jésus guérissait ceux qui sentaient, ils se les sentaient. Avoir la foi, ça veut dire que tu considères la chose que c'est la personne. Il y a un qui l'a dit non, Jésus. Toi, tu es un roi. Donc, je suppose que tu as une armée puissante autour de toi. Moi, je suis un simple serviteur, le centenaire romain. Son témoin était trop fort. Il dit, moi, ici, je suis sur la tête d'un groupe de personnes. Quand il dit cela, l'autre fait, il dit, c'est fait. Mais tu n'as pas besoin de déplacer toi-même chez moi. Il faut donner un ordre à un de tes anges. Il va aller gérer ça rapidement. Puis c'est fini. Jésus le regarde comme ça, il dit, oui. Jésus a donné. C'est la première fois que quelqu'un supprimait Dieu de la sauve. En fait, il a vu au-delà du corps que Jésus avait. Il y a un qui est Jésus qui voyait un jeune homme. Parce que Jésus, il est mort à 33 ans. Alléluia. Mais lui, il a regardé Jésus. Et il a vu le Dieu des dieux. Il dit, tu n'es même pas digne d'avoir chez nous. Les gens se plaignent que Zacé. Mais Zacé, tellement il se voit un peu. Il s'est dit que ce gars-là, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Quelle place tu donnes à Dieu? Demande, quelle place tu donnes à Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus, mon ami. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie. C'est quoi? Il nous parle de plusieurs manières comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la crainte de Dieu. Alléluia. Ce qu'on vous dit, qu'on donne comme conseil spirituel, appliquez cela. Laissez les choses qu'on fait à côté. Si on veut, on dit j'aime, tout le monde fait. Tu sais que c'est ton pasteur qui a dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Que l'acclamation est très bien. Acclame très fort. Et l'implication, c'est qu'il fallait
revoir notre manière d'adorer. La deuxième clé, il était question de donner à Dieu une adoration de qualité. Et la dernière clé, c'est de reconnaître l'onction qui te bénit, l'onction sous laquelle tu es et de servir dans cette onction. Seigneur, au terme de ce message, merci de nous bénir. Commence à prier le Seigneur. Et remets ton cœur en pleine de prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, j'ai entendu cet enseignement depuis deux dimanches. Seigneur, prie le Seigneur. Demande ce que tu veux à Dieu. Si moi je suis prophète, j'ai parlé de ministère, j'ai parlé de l'onction prophétique, que je sers mon alliance, l'alliance qui est en moi avec Dieu. Il m'a dit, si quelqu'un croit, si tu emmènes quelqu'un à croire en ce que j'ai mis dans ta vie, sur ta vie, et que toi aussi tu fais comme tu crois, si tu pries pour cette personne, quelque soit ce que tu demandes, je le ferai. Et ton action montre que tu crois en ce qui se fait ici. Devant le ciel et la terre. Dans 5 secondes maintenant, tu finis, tu lèves ta main. Commando, je veux 3 personnes. Écartez-vous d'abord les mains. De la même manière que tu as offert 5 chaises, je te connais à la grâce. Dans ton année 2017, c'est une année de grâce. Où tu bénéficies de la faveur et de la largesse du ciel. Et parce que je suis prophète, l'onction qui est sur ma vie tombe sur toi. Et commence à impacter ta vie. Lève-toi maintenant. Dans 5 secondes. Dans 7 secondes. Voici sa main. Fais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois la rosée du ciel. Hey! Tu testes! Posez-la doucement. Reçois la grâce. Sois béni. Dieu rend prospère. Il voit une porte qui brille au niveau de la tête. Dieu ouvre cette porte. Tu as fait de prières. Cela n'est pas de combat. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Donne-moi lui, il va prier tout ça. Le Père est chef d'habitude. Seigneur. Et toi-même, c'est comme si tu as le cœur de faire, d'entreprendre, de faire les choses. Mais c'est comme si l'argent avait disparu devant toi. Et pendant que je parle, vous devez l'aider. Voici la main de Dieu. C'est comme un ange en train de déterrer ton argent. Il est en train de déterrer les choses qui t'appartiennent. Dès qu'il la laisse derrière, tu vois, tu sens comme quelque chose qu'on met à tes pieds. Tu sens quelque chose qu'on met à tes pieds. En 3 secondes, 1, 2, 3. Parce que cette onction va toucher, je te donne 2 mois. Et une grande porte va s'ouvrir pour toi. Paul, Jesus! Attends là, ses pieds sont vraiment choqués. On va sentir quelque chose. Ouais, ouais, ouais. On va sauter, on va sauter, on va sauter, on va sauter. Soulève tes fils. Soulève les tout. Tu as dit de pointe tes pieds. Je prie que quelque soit c'est la personne qui fait ton voyage. Et donc jusqu'à la fin de tournoi à cette personne, si elle ne reste pas prise. Que Dieu fasse cette personne ce qu'il veut. Mais il libère la bénédiction, il libère ton voyage. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est fait. Maintenant, il te donne 2 mois. Mon Dieu agit pour toi. Et tu viendras rendre témoignage ici pour la grâce et la victoire de Dieu. Je déclare que tout est fait. Porte ouverte. Amen. Tu fais ton offrande de l'argent. Tu fais ton offrande de l'offrande. Comme un mur devant toi que tu essaies d'escalader, mais c'est comme à chaque fois que tu es réfléchissant, c'est que tu es confronté à une limitation. Tu as l'air sans ta vie, tu sens que c'est comme si tu n'avances pas, mais tu es bloqué. Pendant que je parle, la grâce de Dieu arrive sur toi maintenant. Tu sens dans ton cœur que tu as dit que tu as appris à que tu as fait de grandes choses, mais tu ne sens pas les choses aller comme tu le veux. Voici la grâce de Dieu. Aide-la. Chaka, Tamama, Soki, the Lord, the power to the gates. Remo, Soki, the blood.
alors qu'un amas où tu n'auras plus sur le guide. Je déclare que la grâce de Dieu te touche. Je te donne deux mois. Que Dieu apporte un financement dans ta vie. Je libère cette porte. Je libère cette porte que je vois. J'ouvre cette porte pour toi, Seigneur. Qu'elle se souvienne que j'ai prié pour les études. Et que d'ici fin février, que tu ouvres cette porte et qu'elle soit vide de tous. Au nom de Jésus. Venez la soutenir, je veux des femmes.
comme un ancien, parce que déjà il y a un esprit qui veut se manifester. Hé, sors! Comment ça partit? Un esprit qui entend de la partie. Je vais s'excuser d'avoir la grossesse et je vais te chasser l'esprit qui est dans ses yeux. Allez, comment ça partit? Où sont les femmes? Où sont les femmes commando? Commando, il n'y a pas femme dedans. J'ai dit comme un commando femme. Un esprit de mort qui est en train de la fatiguer. La vie en plein air, tu comprends? Voilà. C'est tout ce que le diable pour enlever la peur en toi. Tu comprends? Faut pas pleurer. Ok? Je vais prier pour toi, puis c'est fini. Tu comprends ce que je dis? Ok? Quelqu'un est fini? Hein? Il y a eu beaucoup de combats autour de cette grossesse. Beaucoup de combats. Et c'est comme si, voit comme si elle est laissée pour compte. Il voit beaucoup de combats que tu auras à mener à partir de là. L'esprit me dit de prier pour toi. Ok? Il faut avoir des bonnes pensées dans ta tête. Tu en prie. Il faut avoir des mauvaises pensées. Lève ta main. Venez les bénir. Shamata Kabako, solo qui te prie. Regarde ma main seulement. Regarde ma main. J'ai qu'un de plus de l'eau, pas aussi qu'un de l'eau, de l'eau, de la passée. Esprit, elle ne t'appartient pas, elle ne t'appartient pas. Allez, dans 3 secondes. Allez, lâche-la. 1, 2 et 3. Pas Jésus. Fais. Allez. Ma mère, allez, tais-toi. Au fur et à mesure, on va s'approcher de ce que l'air. Voici la mère de Dieu. Dès que ma main touche son visage, elle est libérée. C'est fini. Tu libères ce maçon et ça te quitte. Ça te lâche. Chebe te prête, métal de l'obosita. Aramada la basso qui est de prout. Ricando l'oboshi qui te prête, à ma carte l'eau de bao solo qui est. Ricamba la baba 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 baba. C'est comme si on voulait prendre derrière l'enfant, on voulait s'accouper de l'enfant. Pendant que je parle, le feu de l'esprit est en train de venir sur toi. Fire! Jesus! Tu es libéré. Seigneur! À cause de l'onction que tu m'as mis, envoie une d'olive dès que je vais poser ta cible. Que ta gloire est avec toi. On va commencer à faire beaucoup de fréquences ici. N'oubliez pas, à partir de dimanche prochain, amen. Si vous avez des cas, envoyez les cas. Amen. 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 J'ai été déprimé. Nous faisons la maladie de moi quand vous voulez. Qui aime la délivrance? Amen. Elle s'appelle comment? Karine. Hein? Karine. À ma carrière de prophète, c'est fini. Je déclare que Dieu a sa main sur toi et ta grossesse. Tout ce que tu révèles contre toi tombera. La puissance du Seigneur. Amen. Karine, au nom de Jésus, lève-toi, c'est fini. On acclame très fort le Seigneur. Ici. Envoie-moi l'huile d'olive. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Le moment où tu es équipé de prêter l'eau au sanctifié. Mettez-vous ici. Amen. Commencez à prier. Priez. Vous avez senti une présence angélique. Commencez à prier. Parce qu'il y a tout le combat autour de vous. Regardez-moi, monsieur. Il va beaucoup de combat autour de vous. Il sent une action très forte dans son Seigneur qui vous combat. Jésus me dit de prier aussi pour votre santé. Il dit de prier pour votre santé. Savoir le mot de votre patrie, ça va bien. Jésus me dit de prier pour vous. Il sent comme une faiblesse en vous. Je sais pourquoi il sent ça. Il sent comme une faiblesse à l'intérieur de vous. Vous comprenez pourquoi il sent ça? Pourquoi les sens là? Comment? Ok. C'est une faille que Dieu a à laquelle Dieu passe. Le Dieu a réussi à mettre, à s'aimer quelque chose à ce niveau-là. Et par cette porte, le Dieu passe. Vous voyez? Et bizarrement, le sang est bien. Regardez, c'est votre frère.
Mais aujourd'hui, je vais utiliser ça. C'est pas les ministères pour tout le monde. C'est pas demander, c'est pas vous donner à Dieu. L'Esprit de Dieu va se manifester. Et quel que soit le problème, Dieu va disposer quelque chose. Ok? Commence à prier la foi. Quelque chose va se passer. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Seigneur, merci. Attends, pousse-le. Mets-toi derrière le terre. Mets-toi ici, puis tu pries. Au nom de Jésus. Faut rentrer dedans. Prie. Et dis cette année-là, si vous rentrez ici, Dieu va se manifester dans votre vie. Tous ceux qui sentent un combat dans leur vie, vous sentez que. C'est-à-dire, vous sentez que tel que les choses doivent se aller dans votre vie, ce n'est pas ainsi. Tendez la main vers le monsieur ici. Il y a quelqu'un qui a pris le long chemin à aller sur vous. Tous ceux qui sentent qu'ils doivent décoller, c'est-à-dire, tu sens une gloire, tu es en train de prier pour une élévation au niveau financier, au niveau du travail. Tendez les mains vers ce premier ici. Suivez mes instructions. Ok. Deux ans qui arrivent, c'est authentique ce que je dis. Je souhaite que la sorcellerie familiale et les esprits que les parents ont donné pour empêcher les gens de réaliser et les gens de pouvoir être bénis. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu entend agir. Je vois deux anges. Je vois venir le suivre maintenant. La gloire de Dieu entend de monter depuis votre tête jusqu'à vos pieds. Et pendant que je parle, sa main entend agir. C'est bon. L'onction a bénité ici pour vous, vous sera difficile de nous avoir dit. Je connais mon Dieu, comment nous soulever lui. Il y a le corps qui est attaché à ses mains, à ses pieds, qui vont commencer à quitter. Vous pouvez voir ses bras sans déconner, tous ses pouces dans ses mains, dans ses pieds. Dans 3 secondes, je pars, l'esprit confirme ma parole. Seigneur, 1, 2, et 3, maintenant. Tu veux la plus finie, là où est. Voici la gloire de Dieu, maintenant. Suivez. C'est la main de Jésus. Pow Jesus! Fire the cow to the Lord. He mama so keep the prayer to my God. No can be the on the Lord. Pow Jesus! Fire Jesus! Je déclare que tout va bien en ma qualité de prophète. Oh mon Dieu, je sens comme si on avait volé beaucoup de choses dans l'Esprit de Dieu. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Je prends votre droit à partir de maintenant. Dès que vous dépassez ce domaine, quand vous êtes ici, demandez ce que vous voulez. Parce que c'est comme si on avait mis un village devant vous. Et c'est ça qui fait que les choses sont bloquées. C'est-à-dire que vous sentez que les choses veulent dérouler, mais c'est comme si c'était limité. C'est un mur qui nous laisse autour de vous en sorcellerie. Vous comprenez pas? Et tant que vous êtes derrière, les choses ne vont pas aller comme chez moi. Mais là, on t'accepte et on va traverser ce mur. Quel que soit le problème, je te donne tout le monde. Il y a un vent qui va souffler à partir de maintenant. Il y a un vent qui a soufflé dans la vie des gens. Il a vu les choses, il a commencé à perdre les choses dans sa famille. Mais il y a un vent qui va souffler dans votre ville. Vous allez commencer à voir les choses venir en votre faveur. Est-ce que vous croyez aux prophéties? J'ai parlé de misère prophétique ce matin. Vous croyez en cela? Pourquoi si vous dépassez le temps, est-ce que vous croyez que Dieu va commencer à se manifester? Est-ce que vous croyez que la semaine qui arrive va commencer à être différente dans vos vies? Vous croyez en cela? Est-ce que vous avez cette foi? Si Jésus était là ce matin. Et si vous l'avez vu physiquement, vous avez encore plus de foi. Mais est-ce que vous croyez que Jésus est là maintenant? Pendant que je tiens votre main, est-ce que vous croyez maintenant que c'est plus ma main qui est là? Mais c'est la main de Dieu qui vous fait passer à une autre étape. Est-ce que vous savez que si vous dépassez ce temps, vous êtes maintenant à une autre étape? Croyez en cela. 1. Fermez vos yeux. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Regardez ce qui s'est passé. Levez les mains et demandez maintenant de tout ce que vous avez. Demandez. Tu veux, il y a 2 ans qui arrivent, vous pouvez demander jusqu'à ce que vous sentez la puissance de Dieu.
Demandez bien, demandez bien. Jésus. C'est fini. Vous avez demandé à Dieu. Allez-y, considérez que c'est fait. J'attends votre témoignage, soyez béni. Ok, suivez les gens et arrivez maintenant. Les restes concentrés. Viens, mais ne demande plus. Seigneur, merci. Tu sais ce que ton cœur est élevé pour prier pour toi. Lève-toi. Maintenant, agis. Apporte la grâce. Maintenant, c'est bon, suivez-le. Il y a un vent qui est en train de souffler au cul de lui. Tu vas sentir un vent, tu vas sentir que l'atmosphère est en train d'être différente. Parce qu'à partir de maintenant, ta vie va avancer. Tous ceux qui étaient derrière toi qui te combattaient, ils ne pourront plus te voir. Dans 3 secondes, voici la puissance de Dieu. 1, 2 et 3. Aidez-le. Ma main vient dans mon dos. Voici la gloire de Dieu. Suivez-le. Il n'en sont pas débouchés maintenant. Allez devant. Allez de l'avant. Dès que ma main se pose dans ton dos, tu verras. 1, 2 et 3. Aidez-le. Aidez-le. Et Dieu veut marquer la différence. Dieu dit, c'est moi qui t'ai rabaissé. Tu m'entends? Oui, c'est moi qui t'ai rabaissé. Mais après ça, l'Esprit veut que tu puisses être à ta disposition. On a pensé, on veut te tester avec que tu sois seul. Le fait que tu sois seul, en fait, c'est comme tu es victime d'une malédiction. Tu vois un peu. Pas que tu te maries. Que tu ne peux pas, dans la volonté que tu ne mets pas dans. C'est-à-dire que tu ne peux pas te créer, tu vas terminer à prendre les choses de ce Dieu. Papa, réellement, va et que Dieu te bénisse. Cette semaine, dis-toi que quelque chose commence à la fin. Donc reste en contact, sois béni, c'est fait. Tu vois, donc, cette malédiction, c'est comme si tu es là, c'est comme si tu portes un manteau spirituellement parlant. Mais pendant que tu es dans ce siècle, le feu de Dieu se lève au-dessus de toi, depuis ta tête jusqu'à tes. Tu crois en cela? Ça veut dire que si tu es dédié à Dieu, en principe, quand tu sors d'ici, tous les murs que toi tu dois tomber. Mais comme ce qui est dédié à Dieu, c'est en train de se fermer. Tu comprends? Mais quelle est-il? Hein? Annie, je commande à l'eau de rendre vos bénédictions. Je commande à la forêt de rendre vos bénédictions. Aux sorciers qui ont dispersé vos biens. Parce qu'ils voient une confrérie de personnes qui sont mises et puis ils ont partagé vos biens. Ils ont partagé les choses. Donc, je vais prier, ça va prendre juste peut-être 30 secondes. Parce qu'il faut qu'ils rassemblent tout ce qu'ils ont voulu. Tu auras le nom. Donc, étant dans ce siècle-là, commence à prier dans ce sens-là. Dis Seigneur, comme on voit tout ce qu'on m'a volé. Quelqu'un dit alors moi, Seigneur, tout ce qu'on m'a pris dans le spirituel, viens ma mort au nom de Jésus. Ce que je vous dis là, ça va être très fort ici même. À partir de dimanche, vous allez être fort. Dieu va faire des grands soucis. Je dis, j'ai un cas compliqué, je prie en 2 semaines, tu vas venir à le témoignage. Si tu n'as pas les conditions, je ne prie pas pour toi. Parce que je dois venir garder mon affaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc préparez-vous chaque dimanche dans la prière. Et les jeudis. Parce que ce qu'on veut faire, c'est tellement beaucoup que dimanche ne suffit pas. Même jeudi, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Je veux que vous soyez prospères, que Dieu vous bénisse. Regardez maintenant cet homme, ferme tes yeux, ne pas plus, il y a les gens qui viennent arriver. Et tout ça aussi, il faut savoir quand est-ce qu'il faut se taire. Il met les mains maintenant. Parce que l'affaire est telle que si ce n'est pas les anges, moi je ne peux rien faire. Vous voyez, les anges sont là, regardez, ils sont là, ils sont là. Écartez-vous de lui, écartez-vous de lui. Michael et ses anges arrivent. Il est l'heure. Seigneur, comme le Père dans le spirituel, c'est-à-dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais là, tu es là. Ça veut dire que le miracle de cet homme est possible. Enlève ce vêtement sur lui. Reçois-le. Jesus. Suivez-le. Suivez-le. Attendez mon signal. Écartez-vous d'abord de lui. Dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Venez maintenant. Hé, hé, hé. Jesus. My God, la balle, c'est regarde, la balle, monsieur. Hé, hé, hé. Jesus. Je suis content de vous, madame. Venez, 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 venez.
Voici la puissance. Viens, ma mère. Voici ça. J'ai une action de Dieu pour toi. Tu vas te marier. Tu comprends? Voici ça. L'esprit qui te dit ça, mais viens, ma mère ici. Viens. Voici ta main. Viens. Mets-toi, mets ta pied, ta pied. Voilà, tout bien à l'église. Tu comprends? Je vois ce que tu dis. L'esprit de Dieu te dit. Tu prends attention, pas bon. Mets ta main. Seigneur, ce qu'elle dit, il faut la saisir. Après qu'elle sache qui elle est. Regarde-moi maintenant. Jesus! Fire! Au nom de Jésus. Aime-moi ton nom. Maintenant. Je vois les signes. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Allez, on met sur terre maintenant. Dites avec moi. Ma fille, regarde-moi. Ma fille, toi, il faut qu'on te baptise. Ok? Alléluia. 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 Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Vous tous qui êtes ici, vous avez entendu le message. Donc ce que je vais dire maintenant, allez-y avec ça en cette semaine. Gardez votre main droite. Commencez à considérer. Quand tu considères l'homme de Dieu, tu considères ce qu'il te dit. Quand il dit que tu es béni, tu mènes en tant que tu es béni. Amen. Donc qui me considère en tant qu'homme de Dieu ici, en tant que prophète ici. Amen. Donc regarde-moi bien ta main. Cette semaine, je déclare que tout ce qui va s'élever contre toi, et de tout ce qui va s'élever contre toi, soit sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu te donne la victoire. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Dites bien amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Vas-y, viens, viens. Viens. Tout comme mon esprit participe, viens vite. Arrête-toi là. Seigneur, il t'a emmené sur ta fille. Bénis-le parce que mon esprit est parti chez nous. Quel que soit le combat qui veut s'imposer à toi, pendant que je vois Dieu vouloir t'élever, je détruis ça maintenant. Et que la paix et la paix soient dans ta vie. Que tout ce qui est de tristesse qui veut s'installer dans ton cœur parte. Regarde-moi maintenant. Les soirs, je te communique cette grâce. Je vais faire des pas pour venir vers toi. Et la grâce de Dieu arrive maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le fait. Le feu du réveil et la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ton partage. Amen. Amen. Et une femme à ma gauche. La joie du Seigneur est ton partage. Est-ce que Dieu te dit ça? Amen. Amen. Votre plus grand héritage, c'est la faveur de Dieu sur votre vie. Allez, allez, et que Dieu vous distingue, vous aidez. La Seigneur je dis, c'est la vie, c'est un saut. Ça dit, quelqu'un ne peut pas venir te maudire. Tant que ce que j'ai dit est en train d'avoir effet dans ta vie, va et considère que les portes sont ouvertes. Va, applique la parole de Dieu et tu verras que l'onction est en vie. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, il faut inviter au moins 5 personnes. Dimanche, si il veut inviter tout au quartier, invite tout au quartier. Parce que ça sera chaud ici. Posez la question, ça sera chaud ici. Qui aime la gloire de Dieu? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Tu salues quelqu'un que tu dis Dieu est avec toi. Va, Dieu est avec toi. Ma fille.